Doc. Doc, qu'est-ce qui se passe ici? Pas maintenant. Je dois trouver le moyen d'inverser cela si nous voulons l'arrêter. Qui ça? Ce Ruvik? Mais qui c'est ce type? Désolé, je dois me concentrer. C'est dans votre intérêt de me dire ce qui se passe, Doc. Vous avez besoin de moi. Nous travaillons sur une méthode. Comment expliquer cela? Comme pour interconnecter les cerveaux. Un partage total au niveau électrochimique. Émotion, mémoire, perception, mais bien plus. Instantanément. C'est révolutionnaire. Les implications psychologiques, pharmaceutiques, et sur la conscience elle-même. Mais vous délirez. C'est un cauchemar, ouais. Je n'ai jamais dit que c'était parfait. En particulier avec un hôte aussi instable. Génial. Donc votre associé est un psychopathe. Et on est tous dans sa tête. Pas tout à fait, non. Ah, il s'est nous y contribuons tous à notre manière. Mais il est le seul à disposer d'une influence consciente. Vous le connaissez bien. Qu'est-ce qu'il veut? Eh bien, ce n'est qu'une théorie, mais... je dirais qu'il veut notre mort. D'accord. Très bien. Docteur? Doc! Alors, le doc me fait étrangement penser à un acteur connu, mais je sais plus son nom. Un vieil acteur. Il a la même tête. Ah, la suite de la vie de Castellanos, tiens, ça m'intéresse ça. Alors, 16 juin 2009, nous avons déposé Lily à l'école maternelle, donc ça y est, elle va à l'école, c'est cool. C'est sa première rentrée, elle est courageuse, tout ira bien pour elle. Myria, bénie soit-elle, a connu 3 années difficiles. Un bébé, c'est un travail à temps plein, et elle va enfin profiter de vacances bien méritées. Je veux dire par là qu'elle revient aux personnes disparues. Non, il semblerait que non. Non. D'accord, donc il y a un truc de bizarre à Crimson City et notre femme, donc Myra, va s'en charger. Ok. Très bien, très bien, très bien. Alors, je vous ai lu là pendant la cinématique et si Ruvik est instable, moi c'est quoi? Et oui, donc ouais, Evil Within 2, les Crozes, il est prévu, hein. Attention, hein. Il y a une grosse rumeur qui circule comme quoi Evil Within 2 va être annoncé à l'E3 2017. What? C'est quoi ce truc? J'ai plus de munitions! J'ai plus de munitions! Ah! Oh merde! Merde! Attends, je fais comment là? What? Attends. Je pensais faire comment là? Attends! Parce que là j'étais à fond. Hein. On va retenter, je sais pas. Cours vite, bah oui. Allez, Castellanos, mène-toi le fion. Je suis à fond là. Oh putain. Oh. Au moins il a pas souffert. Là je suis d'accord. Ah, nous revoilà dans le... Oh putain, y'a Ruvik, je crois. Ouais, y'a Ruvik. Chapitre 8 terminé. Bah c'est bien tout ça. Et j'avais vu qu'il n'y avait pas 9 chapitres, mais beaucoup plus avec Rose. Je crois qu'il y en a 15 en tout. Je crois qu'il y a 15 chapitres ou un truc comme ça.
Décrose. Une fois de plus. Yeah. Regardez. Il y a un croc qui s'est posé sur mon pied. Oh putain la vache. What? Inspecteur Castellanos. Oui. Ces souvenirs, ce ne sont pas les miens. Putain, super le souvenir, quoi. Tu te fais cramer le cul, quoi. Dans un champ de maïs. Bon, il y a la Betty qui veut nous voir. Dans votre sommeil. Vous avez fait un cauchemar. J'ai rêvé de toi, Betty. Oh. Oh non! Par là! Non! Lâchez-moi! Il y en a encore un qui est en train de parler tout seul là. Attends. Attends. Évitez de perturber les autres, je vous prie. Mais je suis pas fou moi, Betty, hein. Pourquoi tu m'enfermes dans cette cellule à chaque fois? Vous n'avez pas bonne mine. Ah, j'ai toujours meilleure mine que toi, hein. Bon, on a chopé une clé en début de live, du coup, ce qu'on va faire. C'est qu'on va gentiment... ouvrir un casier. Et merci WeRave pour ton host. On va ouvrir celui-là. Oh, du gel, c'est bon ça. Alors du coup, attends, il nous faut des munitions. On va prendre tout ce qu'on a. Hein. Hop. Voilà, nickel. Oh, on a encore une clé. Ah putain, on en a deux. Bah vas-y, hein. Fais-toi plaisir, hein. Une flèche. Ok. Ok. Ce qui est dommage dans ce jeu, enfin après tu vas me dire, c'est... ça fait un peu plus survie, c'est que quand on a plus de munitions, comme là je suis dans la merde, ben y a pas une espèce de... tu sais, de magasin ou de vendeur pour qu'on puisse acheter des munitions contre de l'argent. Ça c'est dommage. C'est dommage. Hein, Betty? Attends. Les souvenirs sont très fugaces. C'est quoi ça? Les souvenirs peuvent être facilement pervertis par les autres. C'est pourquoi il faut en prendre soin. What? Ok, donc il y a une tête de... Oh, oh la vache. Oh putain. Oh putain. Ouh. Premier screamer dans The Evil Within en 5h30 de jeu. Oh la vache. Oh. C'est le portrait de famille de Ruvik. Ah bon? Ah donc ça doit être Ruvik le petit là. On a sa sœur, sa mère et son père. Ok. J'aurais plus dit son grand-père. Il doit y avoir de l'inceste dans cette famille. Hein. Peut-être pour ça que Ruvik est très con. Vous avez vu un fantôme, on dirait. Ah, ta gueule me suffit, Betty. Hein. Pas besoin de voir des fantômes. Bon, c'est bon, on peut y aller. Oh là. Ah. Oh. Toi aussi t'as peur, Crow. Il y a une tulipe. Oh non. Il y a une tulipe. Oh là, merde, il y a Ruvik. Non, arrête de marcher. Arrête de... Yes. Nous revoilà dans la réalité. Putain que c'est beau. 10 sur 10. Toshi, il y a plein de screamers dans ce chapitre, enfin pour moi. Ah, bah ça va me plaire ça.
Le mec est totalement fou. Moi, s'il y a des streamers, ça me plaît. Let's go. Allez, déjà 4600 GL. Il y a du bruit dans les... Putain, ça me rappelle Pinview Drive, le début du jeu. Je vous entends, les creuses, je vous entends. J'arrive. Tiens, ça me dit quelque chose. Eh, y a pas un petit air de Pinview Drive, là? À tous les coups, va falloir trouver une clé pour rentrer. Ah non. J'ai fait le kill plus aigu de ma vie. Waouh. Oh, putain, c'est beau. Les creuses, c'est magnifique. Comment ils sont arrivés ici? Oh là, c'est trop magnifique ici. Putain, regardez-moi ça là, ce manoir là. Tu t'es désabonné, c'est ça? Putain, c'est super beau là. Oh non, on va aller par là, il y a des caisses. Yes, 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 yes. Depuis Pinview Drive, à chaque fois que Toshi voit un portail, il se croit dans ce jeu. Et c'est exactement ça, Kaichou. Vraiment. Le portail et la petite fontaine. Ça, c'est du Pinview Drive tout craché. Allez, let's go. On va rentrer. Attends, il y a encore une caisse là. Je suis désolé, hein, je fouille vraiment tout. Je fouille vraiment tout ce qu'il y a. Let's go. Oh là. Oh là là. Arrêtez-vous. Oh. Alors là. Là, je vais kiffer. Là, si ça se passe dans un manoir à la Resident Evil, je vais surkiffer. Ça risque de devenir mon chapitre préféré là. Putain, en tout cas, ce que je vois là, ça annonce du lourd. Oh là 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 là. Je sens que ce chapitre va être cool. Oh, cruelles intentions. Quoi, ah ouais, vas-y. J'adore les cruelles intentions. J'adore ça, moi. Boum. Ah, ça va être excellent dans un manoir, les creuses. Oh, mais c'est tellement Resident Evil. Non mais là c'est choquant, c'est vraiment choquant là. Note de la salle à manger du manoir. Ah, on est vraiment dans un manoir du coup. J'ai enfin réussi à trouver l'accès, la porte menant à un nouveau monde. Les détails sont tous là, ils ont tous ces données sur mon nez. Je suis à la fois consterné et furieux de ne pas les donner. Le procédé permettant de briser la psyché humaine et de l'anéantir pour en prendre le contrôle est tellement... évident. Et maintenant que je sais exactement comment y prendre, j'ai l'impression que c'est tout ce qui compte, tout cela. J'ai besoin de ressources, dit Mendez, cet imbécile va enfin servir à quelque chose. Très bien. Voilà, bizarrement, on est tout seul dans ce manoir, ça me rassure pas vraiment. Ce chapitre, c'est tellement un easter egg, bah putain, mais carrément quoi. Vous entendez? Il y a eu des grincements. C'est excellent. Excellent. Moi je casse tout hein. Dès que j'arrive dans un manoir, je suis tellement excité que je casse tout. Il y avait quoi là? Oh, tu déconnes, on peut se cacher sous la table. Oh putain. Eh, ça sent pas très bon hein. Bah écoute, pour l'instant, ouais, je suis seul, on verra après hein. Allez, let's go. Boum. Sans moyen. Je pense que le manoir est blindé de pièges en fait. Ça m'étonnerait pas. Regardez. Oh putain. Putain, 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 c'est quoi ça? Oh putain!
Je crois que j'ai vu Ruvik. Je suis pas sûr, mais je crois que je l'ai vu. Ok, je crois que c'est bon. Je crois que c'est... Ouh. On y retourne. Putain, il m'a fait vraiment peur. Hein. Donc là, en gros, Ruvik, il se montre enfin, quoi. Depuis le début du jeu, le mec, on le voit pas du tout. Tu sais pas où il se planque. Et faut attendre le chapitre 9 pour qu'il débarque. Ah, on peut se cacher ici, j'aurais pu me cacher là en fait. Attendez, je vais juste me créer des carreaux. C'est bon, je suis à fond. Let's go. J'entends un truc respiratoire. C'est quoi ce bordel? Qu'avons-nous là? C'est quoi ce truc? Bienvenue, Koma! Sujet numéro 1. Bienvenue à toi! Test 92A. Non. Placement d'électrodes dans la zone de douleur N33. Inefficace. De meilleurs résultats sont à prévoir en stimulant la zone F7. Zone du consentement union cortex. Laissez-moi! L'imprégnation du sujet n'a réussi qu'en partie. Certains traits de personnalité persistent. Aïe! Déplacer la caméra. Maintenir pour insérer. Déplacer la sonde. Attendez. Ah putain, c'est horrible, on se croirait dans Saut. Ça va, Koma et toi? Bah attends, ça sent l'énigme. Hein. Où est-ce que je vais planter ma seringue? Oh! C'est des A. Totalement oublié. Super. Qu'est-ce que je viens de faire? Oh, c'est ça. Comment disais-tu ton jardin secret? Mon propre laboratoire. C'est très impressionnant. C'est très impressionnant. Je ne vous ai pas invité. Allons, nous sommes deux hommes de science. Les hommes de science consacrent leur vie à la quête du savoir. Si tu me montres des expériences, je t'en montrerai d'autres. Ah, mais c'est Ruvik! Ça ne vous plairait pas. C'est Ruvik! Vous seriez dégoûté. La science a parfois des aspects qui peuvent avoir l'air écœurants. Aux yeux des profs. J'ai fait bien des choses que d'autres trouveraient de mauvais goût. Je sais que vous me prenez pour un monstre. Tu accordes trop d'importance à ton apparence. Mais ton intellect, c'est tout ce qui importe. Ah, c'était un petit intello. Et l'autre serait Ruvik. C'était un petit intello, le petit Ruvik. Ah d'accord. Ok, donc là on a piqué un cerveau du coup. Le cerveau va dans le bocal et ça tourne les roues. Donc il nous faut encore deux cerveaux, très bien. Un enfant et sa nounou victime d'un incendie tragique à Crimson City le 11 février 2012. Malgré l'arrivée de Non. Lily Castellanos, 5 ans, et sa nourrice du 9 ans. Hein. Oh! What? Non! Non! Oh, le truc! Leur fille est morte.
chez sa nounou. Brûlée, vive. Oh la vache. Ok. Putain. C'est chaud. Je le savais. Putain, mais je comprends pourquoi t'es fou, Castellanos. Je comprends maintenant. Putain, il est bien fait. Hein. Franchement, pour un vieux jeu, il est bien fait. Hein. Enfin, vieux jeu, je me comprends. Hein. Vous ne devriez pas utiliser votre jeu. Ta gueule, Bitu ! Prépare le shampoing. Ah ouais, non, on a que 7000. Ah ouais, non, c'est de la merde, en fait. On a que 7000, les crozes. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Yo, le croc, comment tu vas? Bou. Ok, t'es prêt? T'es coiffé? On peut y aller? On va sauvegarder. Je sauvegarde beaucoup dans ce jeu, mais vaut mieux prévenir que guérir. Let's go. Ok, donc, attendez. Maintenant, soit Black Rose, soit on fait les fous et on va en haut direct, soit on va à droite. On va à la droite. Oh là là. Non mais là... Putain, j'entends un bruit chelou derrière moi là. Non mais là... On est clairement dans du Resident Evil. Là, y a même plus d'illusion là. Ah, des allumettes. On est dans un Resident Evil, les crozes. Hey, petit Joker, salut. Merde. Par là. Oh, oh putain. Ça c'est beau. Ça c'est de l'esquivage. Ça c'est de l'esquivage, les crozes. Ah, je commence à maîtriser. Hein. Je commence à maîtriser. Oh putain, on peut se planquer là-dedans aussi. Tu peux voir un peu. À la Outlast. Plutôt à la Amnesia. Nice. Bah écoutez, continuons. Bon, j'ai entendu un bruit là-bas. Faut faire gaffe. Ça sent clairement pas bon ici. Hein. Putain, regardez-moi cette ambiance, quoi. Ça sent clairement pas bon. Grenade. On va reprendre une bouteille, comme ça, c'est Ruby qui vient. Paf ! Dans sa gueule. Note de la salle de musique du manoir. Deux mondes séparés par un abîme irrégulier. Au-dessus des spectateurs anonymes. Rien de la tragédie en dessous des victimes impuissantes. De... Ah, ok. Ok. Ah, une petite énigme. Je peux rien faire. Je peux rien faire. Esquivage aussi. Tu es sûr? Oui, c'est de l'esquivage. Hein. C'est du très très beau esquivage. Hein. La zone où il faut piquer, il y a un plan que tu... D'accord, ok, Brabitalis, je ferai attention. Je ferai attention. Bah, y a rien ici en fait. Enfin, si. Oh merde. Oh merde, non, je peux pas me cacher. Je peux pas me cacher! Il est derrière moi? Putain, il est où? Vite. Non!
Oh putain, il y a quelqu'un là. Dans ton cul! Ah merde, putain, ça lui a rien fait. T'as un cul en béton, dis-moi. Tiens, saloperie. Ouh. Elle a cru quoi, elle? C'est pas en faisant du squat que tu vas me niquer, hein. Putain, le cri de dingo qu'il nous a fait. C'est vrai qu'en y repensant, j'ai un peu imité dingo. Ça, c'est le genre de truc, tu vois, je vais m'empresser de revoir ce moment en rediffusion. Putain, on peut vraiment se cacher partout. Hein. Ok, bon. Je sais pas vraiment où aller, en fait. Parce que regardez, on a un truc ici là. On a un truc ici, mais je peux rien faire. Du coup, ce qu'on va faire, les crocs, c'est qu'on va aller à l'étage. Hein? Vu qu'il y a rien ici. Ah, une seringue. Parfait. Putain, il revit qui fait flipper. Hein. Bon, allez, on monte. Direction à gauche. C'est tellement Resident Evil, putain. Mais qu'est-ce que c'est? J'adore ce chapitre, hein. Je vous le dis, hein. Qu'est-ce que... Ah d'accord. Brûle, saloperie. Regardez, c'est pas du Resident Evil ça, les longs couloirs sombres là. Oh là. Note de la chambre. Oh putain, on est dans la chambre de Ruvik là. Je l'ai revu debout au bout du couloir, ses longs cheveux bruns. Toujours aussi beau, nacré par les reflets de la lune. Ah oui, putain, il est amoureux. Hein. Ses yeux tels des billes noires sur son visage de porcelaine. C'est plus trop le cas maintenant. Hein. Elle portait sa robe préférée, rouge comme un coucher de soleil écarlate, rouge comme un coup de pinceau meurtrise. L'oreille. Ok. Ok. Très bien, donc c'est la chambre de Ruvik. Ça c'est cool. Non. Merde. J'ai entendu un bruit. Je me cache ou pas? J'entends un bruit à côté. Effectivement. Ah! Ouais, je sors vite fait, ouais. C'est pas... Merde. C'est pas très bon. Là, je flippe tellement, là. Je vous jure, il y a une ambiance. Je sais pas si vous l'entendez. Je sais pas si j'ai mis le son assez fort dans, bah, sur le live, mais putain. Il y a une ambiance, là. T'as peur pour ta vie, quoi. Clairement. Ok. Ça a l'air safe, ici. Fragment de carte 16, parfait. Qui est là? Putain, ça joue sur nos nerfs, c'est abusé. Ça joue sur nos nerfs. Oh putain. Merde. What? What? Ah! Merde. Oh le con. Je pense que je devais tirer sur le bouton rouge en haut, mais je pense pas que ça a fonctionné. Ah, merde. Non.
Putain, me dis pas qu'on recommence ici, là. Non, c'est une blague. Me dis pas qu'on recommence ici. Attends. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Il faut vraiment penser à sauvegarder. Hein. Ah tiens, il n'y a plus la femme au cul d'acier. Elle est plus là. Par là. Merde. Merde. Putain, j'avais bien réussi la première fois. Hein. Ah. Saloperie. Bon, il y avait quoi ici? Il y avait ça, ok. Il y avait quoi? Il y avait ça, il y avait ça. Et il y avait ça. Ok. Hop. Du coup, on va les sauvegarder. Hein. Comme ça, si on remeurt, on n'aura pas à refaire tout ce qu'on vient de refaire. Hop. Okay. Je vous attendais. Eh ben pas moi. Ok, on est reparti. Bon, du coup, je fais comment pour... Comment je vais faire pour pas me faire avoir là? Je suis en train de réfléchir. Ça se voit peut-être pas. Oh, là, je sens que je vais remourir. Je sens que je vais crever. Salopard! Merde! Tiens! C'est de la part de Rubik. Oh, il y avait une porte ici. Oh putain, j'avais pas vu ça. Vise le truc rouge. Ah bah voilà, c'est ce que je pensais. C'est ce que je pensais. Il faut viser le truc rouge. Très bien. Bah du coup, ce qu'on va... Attendez, on va prendre le fusil à pompe. Parce que ça a une plus grosse zone de dégâts, en fait, tout simplement. Et puis, on va essayer de, bah, de viser cette merde, là. Vise le truc rouge. Tu dois tirer dans le haut de la porte quand tu es tiré par la corde. Ah, du gel dans les chiottes. Bon, ok. Vous êtes prêts? Putain, je dois éternuer là. Oh. Ok, let's go. Merde. Yes. Yes. C'est bon, tranquille. C'est magnifique. Ce manoir est de toute beauté. Ah, ils nous la font à la Resident Evil 7 quand on ouvre des tiroirs et qu'il n'y a absolument rien dedans. Oh, yes. On va se soigner. Voilà. Let's go.
Ah ! Oh là là ! 1000 gels ! Yes. Ok. Alors, attendez, parce que vous m'avez dit qu'il y avait un plan à regarder pour voir la zone du cerveau à piquer, c'est ça, hein ? Ouais. Oh bah, je crois qu'on va y aller au feeling hein. Yes. Oh. Yes. J'adore résoudre des énigmes par moi-même. C'est tellement rare. Nice, nice, nice. What? C'est quoi ça? Oh, père. Si vous saviez à quel point l'expression sur votre visage me plaît. Ah, c'est Rubik. Pensiez réellement que ses parents cesserais d'exister si vous m'en feriez. Loin des yeux, loin du cœur. Mais oui, vous y avez cru. Moi, je n'ai pas cessé de penser à vous. Vous pouvez être fier de vous. Donc il les a tués. Il les a tués. Le truc c'est pourquoi les corps sont ici. Ça doit dater, non? Enfin ça date pas d'hier, je veux dire. Ouais, bizarre. Oh, une statue. Yes. Bon là on fait gaffe. Vous allez dire on fait gaffe à Rubik, ce connard arrive au même moment. On a eu chaud, hein. Eh. Ouais, on va faire une petite pause. Je vais juste aller sauvegarder et on va faire une petite pause. Faut juste que je retourne au début. Ça devait être par là, je crois. Bla 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 bla. Attendez, mais putain, il y a plein de trucs ici. Attends, on va y aller après, là. On va y aller après. Je vais juste... Putain, elle est où la sortie? Merde, je crois que c'est là. Hop, voilà. Et de deux. Quelque chose ne va pas. Bah, faudrait peut-être que tu changes de lunettes, Betty, hein. Je crois que c'est ça qui va pas. Bon les crocs, on va faire une petite pause. Alors je suis désolé, j'ai mis le ventilateur juste bah là. Parce que il fait une chaleur. Donc désolé si vous l'entendez. Si vous entendez un souffle dans le. Dans le micro. Je pense pas, mais. Mais on sait jamais. Re. Ça a été vite, bah 5 minutes, hein. Je te dis, c'est des petites pauses, hein, à chaque fois. Le temps de boire un coup, hein. Ah tiens, il y a des tulipes ici. Ça doit être une référence au chapitre d'avant. Bah écoutez, Cross, continuons. Je sais pas combien j'ai de gel. Je sais pas où on voit ça. Peut-être là. On a 6600 gel. Et on a une clé, on a une clé, on a une clé. On y va. Tais-toi avec tout, je te la fourre dans le cul la clé, ok? Je peux ouvrir des portes moi aussi. Hein. Ah, t'as loupé plein de trucs le croc. Plein de trucs. Non, je déconne. Non, je viens d'arriver là. Boum! Boum! Ah, la bibliothèque, putain, je suis con. J'étais pas venu ici. La bibliothèque. Ah, ça doit être ici du coup. Ça
Ça doit être ici, à mon avis, qui a l'autre bout du coffre-fort, là. On va monter à l'échelle. On va monter à l'échelle. Oh ! Un copain. Ah, regardez, il est là. Il est là. Il est là. Allez ! Merci, mon pote. Il y avait rien d'autre ici ? Non. Ok. C'est bon, on a tout. On a tout ce qu'il faut, les crozes. Ah, d'accord. Ah, ok. Ah, oh putain. Alors là, c'est bien vu. Ah, attendez. Attendez. Il y a démon qui m'a dit un truc, ça m'a tilté, là. Attends. Parce que, effectivement, si on regarde le nombre de personnes sur le tableau, là où on ramasse le truc pour tourner le coffre, ben c'est un code, en fait, tout simplement. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et il y a 10 croix. Ok. Ok, donc 11. Il y a 11 personnes, 10 croix, et sur l'autre tableau, je crois qu'il y avait 4 personnes. Je vais aller vérifier ça. Elles sont bien foutues, les énigmes dans ce jeu, quand même. Elles sont vraiment bien foutues. C'était où déjà ? C'est là. Donc ici, il y a une, deux personnes. Ok, deux personnes. Donc on a 10, 11 et 2. Bah, Queen Crow, t'as juste loupé la partie la plus flippante du jeu. Attends, c'est peut-être pas encore fini. Hein. C'est bon. Ok. Alors. C'était 2, hein. Oh! J'ai ma hache, hein. Faites pas chier, hein. Oh putain. C'est Glock ici. Yes. On a le troisième. Let's go. Yes. C'est bon. Bon bah les coups, go go. Écoutez les crozes. On est arrivé au 3. Donc là logiquement on va y avoir... L'hôpital n'a pas reçu la contribution habituelle de ta famille cette année. Ça vous étonne? Qu'est-ce que votre hôpital a fait pour mériter notre contribution? La famille Victoriano s'est toujours montrée très généreuse envers nous. Tu la veux, Mage? Sont tes parents. Et ils sont partis. Sais-tu quand ils doivent... Vous vouliez me parler de quelque chose, docteur? Je viens simplement de la part de l'hôpital pour t'informer que nous ne serons plus en mesure de te fournir des ressources. Tes recherches finiront très vite par s'essouffler. Vous osez venir chez moi pour me menacer? C'est pas bien, Doc. Faut pas menacer Ruvik, hein. Tu sais comment il est, hein. C'est les résultats d'inceste, donc faut y aller mollo avec ces gens-là. Ok, on a les trois, les crozes. Ça va s'ouvrir. Oh putain, excellent. Let's go. Oh là là. Alors là, clairement... Merde, 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 merde. Insiste tout du long. De toute façon, tu ne t'en remettras jamais. Oula. Retirez la peau intacte. Et pensez au lycée. Ruvik. Je...
Ah, c'est dégueulasse. Ah non. Je pensais que c'était des caisses, mais non. Ok, vas-y. Ludwig, viens par là, je vais te parler. Regarde ce que j'ai dans la main, Ludwig. C'est pour toi. Viens là, Ludwig. J'ai pas envie que ce chapitre se finisse en fait. Oh merde. Ah ok, on part là-dessus. Ah merde. Merde. Faut courir. Vite. Oh là là, What the fuck. Allez, vite. Oh putain. Oh l'angoisse. Merde, il y avait du gel. Est-ce que je peux prendre le gel à travers les... Oh merde, j'ai loupé du gel. Tant pis. Ça m'apprendra. Allez, cours. C'est bon. Salut toi. Et dis-moi, c'est que t'es charmante. What? J'y comprends plus rien, les crosses, franchement, là. Je suis arrivé à un stade dans ce jeu où j'y comprends plus rien. Hein. On va pas se mentir. Hein. Oh, merde. Ah, non, pas encore. Merde. Je suis censé faire quoi? Oh, putain, ok. Boum. Ah. Oh, merde. Non. Allez, putain. Oh non, la blague. Oh, la blague. Ah, oh, il y a un cadenas là-bas. Allez. Par là. Ok. La lumière. Oh là là. Oh putain. Oh le calme. Saloperie. Oh putain la vache. Ah c'était... Fallait pas se louper quoi. Fragment de carte, super, je prends. Du gel, je prends. Let's go. Ah du coup on va se soigner tout. On va se soigner. Ah putain, un champ de tulipes. Les creuses. Eh, ça vous fait pas penser à Resident Evil 4, le... avec les villageois comme ça, là. C'est tellement Resident Evil 4. Pourquoi est-ce qu'on m'a fait venir ici? Je sais pas, pour cueillir des tournesols. J'imagine, putain, c'est beau, là. Oh, voilà, ça fait tellement du bien. Ok, on est dans une grange. Oh là, c'est magnifique ici, putain. C'est vraiment putain de beau, là. Ouais, c'est RE4. Hein.
Ah ouais, non, mais c'est tellement ça, quoi. En même temps, c'est le même gars qui a fait RE4, hein, je crois, qui a fait ce jeu. Donc, logiquement, enfin, c'est plutôt logique qu'il a pris des. Bah, des idées de. De son petit frère. Je sais que tu es là. Donc là, c'est Ruvik et sa sœur. Shinji Mikami, c'est ça. Pour pouvoir acheter toutes nos terres, il faut qu'on leur montre qu'on va pas se laisser faire. RE4 is back. Ils vont se faire tuer là, non? Allez, saute, Ruvik. C'est bien, Ruvik. Oh non, non, non. Ah putain. Hé, hey, je crois qu'il y a des gamins là-dedans. Moi, j'ai rien entendu. Oh le bâtard! Oh le bâtard! Qu'est-ce que. Ah merde! Ah mais c'est moi qui a pris du coup! Ah mais non, c'est pas cool! Au secours! Ouvrez la porte! Ruben! Ruben! Tu dois grimper! Merde! Faut pas que je reste ici. Là. Putain. Ah putain, pauvre Ruvik. Ah, je t'aime bien finalement. Let's go. C'est censé m'aider ça. Bon, les crozes, je crois qu'on va finir brûler. Hein. On va finir cramer les crozes. Ah, attendez. Je me vide l'esprit et je me concentre. Ça doit encore être un truc tout con. Hein. Faut que j'aille en haut là. Il y a une échelle là. Ok. Ah ouais, mais tu veux que je fasse quoi avec ça? Ah, que je tire dedans, c'est ça? Oh putain, faut que je tire dedans. Attends. Oh putain. D'accord, il fallait que je tire dedans. Oh non, pas encore. C'est une blague. Ruvik, arrête tes conneries! Ah, je peux pas lui tirer dessus. Hein. Ok. Next. Ok, next. Next. Ça tremble. Oh putain.
Ok. Bah écoutez, Rose, je crois que c'est de ma faute. C'est excellent. J'imagine que là, ça va être la fin du chapitre. Mange un peu. Il faut que tu gardes tes forces. Vas-y. Franchement, je vous le dis, je comprends vraiment pas tout à l'histoire. C'est hallucinant, quoi. Et voilà, fin du chapitre. Fin du chapitre, je crois, à mon avis, oui. Bon, alors clairement le meilleur chapitre depuis le début du jeu. Hein. Je sais pas ce que vous en aurez pensé, les Crozes, mais c'était pour moi le meilleur chapitre du jeu, hein, le 9. On verra le 10 du coup. Les outils de l'artisan. Ah, du coup, on va plus être dans le manoir. Hein. Là, je pense qu'on va aller clairement autre part. Ah, il est excellent, démon. J'ai adoré. Hein. Chapitre 9, franchement, 10 sur 10. Combien en as-tu tué, Ruben ? Oh, une petite centaine ! Ruben, il parle de Ruvik ? Ça n'a aucune importance. Je n'ai fait que leur donner ce qu'ils méritaient. Et ils sont morts avec honneur. En m'aidant dans mes recherches. Ce ne sont pas de simples recherches. D'après les rapports, tu as fait subir des horreurs à ces gens. Ces pierres. Ces vermis. Ces microbes. Je ne sais plus. Je casse tout. Mais vous avez raison. Ce ne sont pas de simples recherches. J'approche de la perfection. C'est répugnant. Mais c'est ma volonté. D'accord. Bon, c'était des fous furieux. Note du sous-sol. On m'a enlevé mes enfants. Était-ce le destin? Était-ce à cause de lui? Mon fils parfait, ça m'étonnerait. C'est à cause de Nana. Ah, d'accord. Ça doit être le père. Ok. Let's go pour le chapitre 10. Et du coup, on revoit plus nos collègues, hein. Moi, ça me fait chier. Attendez, je remonte. Je crois que j'ai loupé une sauvegarde. Au pire, on s'en fout, on sauvegarde pas. Mais ouais, j'aimerais bien revoir Joseph et notre collègue, là. Sérieux, ça fait un bail, hein. Ça fait un bail. Ok, ça c'est bon. Yes! Une clé. C'est quoi l'intérêt d'enfermer un mannequin? Bon, c'est vrai que dans les jeux d'horreur, les mannequins, c'est assez... c'est assez dangereux, donc... ouais, je suis d'accord. Il y en a un qui est chez le dentiste. Oh là là, putain, on est où là? On est sous le manoir. On est sous le manoir là. C'est là où Ruvik faisait ses expériences, je pense. C'est clairement là où il se passait des trucs malsains. Oh putain. J'éteins la lumière pour y voir un peu plus clair. Même si c'est pas du tout logique, mais moi je vois mieux sans lumière. Oh oh! Oh merde! C'est moi qui fais ça? Ah merde! Ah merde! Ah! Oh comment je l'ai pas vu arriver ça! Oh comment je l'ai pas vu arriver ça! Oh putain!
Alors là... Bon alors attends, pourquoi le... ça s'est déclenché là? J'ai marché sur un truc là, non? Attends. Ah t'es un peu con toi. Tiens, fais dodo. Oh putain là, ouais, non mais laisse tomber quoi. J'ai rien vu venir quoi. Bon en fait ouais ok, donc en clair ici, t'as plein de pièges. Merde, faut que je me planque. Dites-moi que je rêve. Mais attends, 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 mais c'est un manège. C'est un manège. Complètement taré ce Rubik. Ah putain, on me tire dessus. Hein. Je crois qu'il y a un sniper. Ouais, peut-être des dalles piégées ou bien, je sais pas. En tout cas, j'ai marché sur un truc. Oh, il y a un gros. Les crocs, j'ai vu un truc dégueulasse arriver sur moi. Là. Enculé! T'es un petit con toi! Voilà. Merde, merde, merde! Oh putain! Une bouteille. Nickel. Bouya! De toute façon, je suis grillé là donc. Oh, c'est quoi ça? Cette grosse batterie peut alimenter des appareils électriques en cas d'urgence. Bah, très bien. Très très bien. Je prends. Tiens. En pleine gueule. Attends, je vais prendre mon snipe. Hop là. Oh merde, il y en a un là. Oh merde. C'est des gens ça? Non, je suis pas sûr là. Salut Toshidouxi. Ah ouais bah oui, t'arrives un peu tard ouais. Ok. Oh merde. Allez. Putain, mais je vais faire comment moi du coup pour passer là? Comment je... Est-ce que accroupi? Ouais, non, je pense qu'accroupi, on se fait pas voir. Attends. C'est bon, ça passe. Oh! Mais non! Mais non! Oh putain. Oh non, je vais devoir recommencer depuis le début. Ou pas. Attends, mais non, mais non, mais non! C'est pas possible! Hop! Cette mort magnifique, j'ai rien compris, hein! Je me suis fait exploser la gueule, tout simplement. Y'a pas à chercher à comprendre. Toshi Rage. Eh, hey, faut pas oublier que c'est ce jeu qui m'a fait rager pour la première fois sur YouTube. Eh. Hein. Hey. Ça va peut-être revenir. Hein.
Peu de munitions. Enculé ! Crève ! Crève ! Crève ! Crève ! Putain, il va crever lui hein. Je te jure, tu vas crever toi hein. Tu vas crever hein. Tu vas crever, espèce d'enculé ! C'est bon, je crois qu'on l'a eu. Yes ! Yes ! Let's go ! Let's go ! Putain, c'est trop calme d'un coup. J'adore péter des caisses dans ce jeu. C'est un kiff, hein. Take me down. Putain, il fait flou ici. C'est quoi toute cette fluorosité là? Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh 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 oh. Ça sent très mauvais là. Hein. Ça sent très mauvais là. Hein. Putain, j'y vois que dalle. Il fait tellement flou là. Merde, il y a un piège. Bonne nuit, Queen Crow. Il y a tout le monde qui m'abandonne. En même temps, demain, on est lundi. Hein. Ah, ça s'est ouvert. Yes. Ah ouais, mais tous les pièges se sont mis, du coup, putain. Tous les pièges se sont mis. Ah, fuck, 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 fuck. Fuck, 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 fuck. Oh, merde. Oh, merde. Ah, bah, 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 non, non, non. Go! Wouh! Wouah! Wouah, 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 wouah! Wouah, c'est quoi ce truc? Vite! Non! Non, Castellanos, non! Pas maintenant! Pas maintenant, mon pote! Allez! Oh putain! Oh, il y a une échelle là, il y a une échelle. Putain, il y a du gel là-bas, mais tant pis. Tant pis, j'ai pas le temps. Take me on. On s'en sort bien, les crozes. On s'en sort bien. Oh là là, il y a des... Oh là 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 là. Je prends. Ok. Ok, viens, 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 hop là. Hop là. Hop là. Je sais pas où je vais. Là. Ah, je pourrais pas, je pourrais pas. Enculé. Ah. Mais non. Mais non, ils sont deux. Ok. Ok, 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 reste calme. Ok, c'est pas ça que je voulais faire. Prends ça là. Ça ouais.
Attends. Et deux, un. Non. Putain, je suis dans la merde. C'est mort. Bouillard. Yes. Ouh. Tu connais la tête toupie? Oh merde. C'est bon. Qu'est-ce que tu fais? Allez, on sort de là. On sort de là, Castellanos. Yes. Allez, on se casse. On se casse de là. Putain, c'est pas fini. Fous de ma gueule. C'est pas fini. C'est bon. Oh la vache. Ouais, non, t'as bien fait de disparaître là. Ah là, j'en pouvais plus là. Ah non, là, overdose là. Oh. Oh. Toshi, le principe d'un viper sur une bombe, c'est de prévenir quand elle va exploser. Ouais, mais je sais pas. Mon cerveau veut pas. Il veut pas. Que veux-tu? Oh putain, c'est joli ici. Ah, on peut enflammer les. Ah non, je croyais qu'on pouvait enflammer les chaises roulantes, mais non. What the fuck? Tout ce que je possède, tout ce que je suis, m'a été arraché depuis cet accident par ceux qui cherchent à m'éliminer. Là, dans les ténèbres, seul parmi les fantômes qui hantent mon esprit, qui me narguent, j'ai failli me perdre complètement. Et puis je l'ai vu. Bonne nuit, Tisha. Une part de moi savait que ce n'était qu'une illusion. Mais je retrouvais mon visage, je reprenais ce qu'on m'avait volé. Je la sauvais. Ma sœur bien-aimée. Laura. Donc Laura, c'est bien la sœur de Ruvik, ok. J'essaie de comprendre. Et sinon, c'est pain au chocolat, hein, et pas chocolatine. Hein. Faut arrêter avec ce délire. Hein. Tout le monde a compris que c'était pain au chocolat depuis le temps, non? Bon, bah écoutez, Croze, je crois que c'est un bon moment pour arrêter le live, non? Il y a une petite sauvegarde ici. Ah, on va en savoir plus sur l'histoire de Castellanos. J'ai déjà perdu des amis et des collègues, cela fait partie de notre travail. Et ce n'est jamais facile, mais perdre son enfant est une expérience traumatisante. Je donnerai ma vie 1 million de fois pour pouvoir l'éviter, mais je ne peux pas. Quand le petit cercueil a été inhumé, je me suis senti infiniment impuissant. La douleur était insupportable. Je sais que je ne devrais pas, mais seul l'alcool m'aide à m'endormir depuis plusieurs semaines. Je me fais du souci pour Mira, donc sa femme. Une fois le choc initial passé, son deuil est devenu particulier. Elle souhaite être seule et veille toutes les nuits. Elle dit qu'elle travaille pour s'occuper l'esprit, mais on dirait qu'elle se renferme complètement sur elle-même. Je sais très bien ce qui arrive généralement aux couples qui perdent leurs enfants. J'espère que nous serons assez forts pour éviter ça. Ouais. Ah, mais elle est bien l'histoire de Castellanos, j'aime bien. Hein. J'aime bien. C'est intéressant. Je trouve toujours...
toujours ça intéressant, les crosses de... Vous avez oublié quelque chose ? Mais ta gueule, on t'a parlé à toi. je trouve toujours ça très intéressant de connaître le passé du personnage auquel on joue, en fait. Bon, bah Betty, je vais sauvegarder, moi, et puis on va se dire à très vite. Bon, bah écoutez, les crosses... fin du live, du coup. Prochain live, certainement, je sais pas, dans la semaine, sûrement mardi, mercredi, un truc comme ça. En tout cas, c'était encore une fois très cool. Je crois que j'ai joué au meilleur chapitre d'Evil Within ce soir. C'était le chapitre 9. J'ai adoré dans le manoir, c'était excellent. Bonne nuit à ceux qui restent, parce qu'il y en a beaucoup qui ont été se coucher là. Bonne nuit à ceux qui restent, merci d'avoir regardé. On se dit à très bientôt, les crosses. Ouais, à très bientôt. Faites pas trop de cauchemars, hein, encore une fois. Et puis voilà, à très vite. Je vous fais plein de bisous, les crosses. Ciao, ciao.